Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur Fortnite. Je suis accompagné de Purple et de MT. Comment ça va les gars? Ça va bien, merci. Et alors aujourd'hui, on va expliquer un peu aux copains comment bien préparer une défense de base. Donc là, c'est ma première base, hein, elle est dégueulasse, je m'en excuse. J'ai pas eu le temps de la refaire. On va vous montrer comment bien préparer une défense de base pour les amplificateurs, etc. Et surtout, comment mener tous les mobs dans vos pièges, tout simplement. Voilà, on a MT, il a commencé de ce côté-ci. Donc on a mis des barrières de fer. On va les augmenter en T3 parce que le mob il est un peu bébête, il va aller au plus simple, c'est ça Purple hein? C'est exactement ça, il va aller au chemin le plus rapide vers l'amplificateur. Voilà, donc lui il va pas s'embêter à faire le tour de la colline, puisque vous savez que là quand ça pop à l'est sur cette map, si vous la reconnaissez bien, les mobs ils arrivent par ici. Et ben ils vont tout simplement vouloir aller tout droit vers les amplificateurs. Donc on met de la ferraille ici, on la monte le plus possible, comme ça au lieu de s'embêter à taper ça, ils vont tout simplement passer au milieu, là où on va mettre du bois. Parce qu'ils vont se dire que le bois c'est plus fragile, donc c'est tant mieux. Et c'est là que le piège va se refermer pour eux. Allez, c'est parti, on vous fait... Hop, on va vous construire tout ça, vous allez voir, et après on va vous faire la démonstration. Conseil des pieux rétractables pour les ralentir un maximum. Ici vous voyez bien que on a fini le petit travail, on en a mis bien partout, au sol, au plafond, sur les murs, vous voyez, comme ça les mobs qui vont arriver ici, voilà, le chemin est bloqué de partout, ils sont obligés de passer dans les pièges, donc max de pièges comme ça, vous êtes tranquille un moment, et de l'autre côté pareil. Après c'est pas esthétique hein, mais c'est efficace quoi. Ah ouais non, bah là on cherche pas l'esthétique, on cherche à réussir... une belle défense sur une base. Là, l'esthétisme se fait, comme on l'a vu sur la vidéo La vie de château avec Purple, sur les bases, les châteaux. Tout ce qu'il y a autour, ça va être de la défense. Ça va être pour empêcher les mobs de passer. Voilà, donc on va pouvoir lancer, puis on va vous montrer ce qui arrive aux mobs. Voilà, bah écoutez, regardez. Ça commence direct à l'est. Donc on va pas tirer sur les mobs, on va les laisser arriver. On va aller se mettre en hauteur. Évidemment, quand vous avez des lobbers, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Hein. Ouais, je vais m'en occuper des lobbers, c'est sûr. Les lobbers, on est obligé d'y aller. Alors là, vous voyez, comme Purple, il va dans le tas, les mobs, c'est les zombies, donc ils sont attirés, forcément. Putain, ouais, j'ai pas pensé à ça. Non, ça va, je suis assez loin. Il y a Justin, là, qui m'embête. Voilà. Vous pouvez aussi les attirer vous-même, au final. Hein. Voilà, regardez. Bon, là, les mobs sont level 15, hein, sont... Donc là, il n'y a aucune complication pour les pièges. Allez, venez les petits. Hop, suivez-moi. Non, de l'autre côté, ça sera plutôt pour le second lieu de spawn, pour le sud-est. Ah, regarde, il y a du monde là. Hein. Il n'y a plus pas les mines. Pas de munitions, pas d'épée cassée, rien du tout. Je prends même le temps de piocher. Ouais non, une fois que c'est bien préparé, vous êtes tranquille un moment. Avant de vous faire déborder, c'est bien clairement. Ouais, parce que même si quand les mobs sont de votre level, ils sont quand même bien ralentis. Avant qu'ils arrivent jusqu'à vous, ils sont mid-life, donc... Ben voilà, défense efficace. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous pouvez cliquer sur j'aime, vous abonner et à bientôt.